Eh bien, salut à tous les amis, c'est Drixiz, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous le voyez actuellement, je suis d'ores et déjà en patrouille avec la police nationale, avec un magnifique Peugeot Partner Tipeee, modélisé par le Tigre Royal et converti par Z45 Gaming. Un gros big up à eux deux. Aujourd'hui, les gars, petite patrouille normale, rien de particulier, aucune brigade spécifique, hein. C'est du police secours sur toute l'agglomération. On n'a pas non plus de secteur prédéfini, donc on va se laisser porter par les interventions. On va très certainement, comme ma dernière vidéo avec la police nationale, faire quasiment le tour de la ville. Retrouvez le Discord de Le Tigre Royal et Z2 Gaming en description. Et puis on attaque directement avec une première intervention sur Burton pour un véhicule en panne. Donc c'est parti, let's go. On va faire un petit demi-tour. Hop. Et avant d'arriver sur cette zone d'intervention, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est tout simplement obligatoire pour finir cette vidéo et découvrir le contenu exceptionnel et les nouvelles interventions qui ont été installées. Car oui, il y a des mises à jour de plugins, hein, et il y a pas mal de nouvelles interventions. J'espère que nous aurons le temps et surtout la chance de les réaliser ensemble. Oh, il est sérieux lui. Et puis n'oubliez pas également de venir faire un tour sur mes réseaux sociaux. D'accord, j'arrive sur mon intervention, le véhicule est ici. Voyons voir, que se passe-t-il? Hop, je vais peut-être ranger mon LBD, j'en ai pas besoin pour cette intervention-là. Le camarade, il est là. On y va. Madame, bonjour, c'est la police nationale, là, que se passe-t-il? Dites-moi. Ok, est-ce que vous avez besoin d'aide? Ma voiture est en panne et je ne sais pas comment la réparer. Très bien, laissez-moi regarder ça. D'accord, bon. Allez, restez là, bougez pas, on va aller voir si elle a quelque chose dans son coffre. Hop. Sitting menu, request assistance. Oh, c'est super stylé, les gars, regardez. J'ai le menu 136 call-out qui vient d'apparaître. Ok, bon, j'ai équipé mon outil pour réparer son moteur, car en plus d'être policier, je suis mécano. Non, c'est tout simplement venir en aide aux personnes. Hop, on va voir si ça fonctionne. Si ça marche, tant mieux. Eh ben c'est impeccable, la véhicule est réparée. Bon madame, votre véhicule ça a l'air d'aller, j'ai fait quelque chose là, vous devriez tenir au moins jusqu'au garage. Donc ce que je vous conseille c'est quand même d'aller avec votre véhicule jusque le prochain garage, hein, ne roulez pas trop. Passez une bonne nuit, faites attention à vous, et au revoir madame. Bon bah voilà les amis, une première intervention qui finit super bien, on est venu en aide à cette petite dame qui était tout simplement en panne sur la chaussée. Ce que je vais faire, moi, c'est tout simplement unload un plugin. C'est automatique sirène cutout parce que ça me coupe mes gyros orange. Allez, remonte camarade, il est bientôt 20h et nous prenons la suite de cette patrouille. Je coupe mes gyros, je suis dispo. Ouais, c'est bon, je suis repassé disponible. Et puis, nous repartons sur secteur Pinewood, Rockford Hills. Oh là! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Le véhicule, il a failli percuter une dame. Je vais regarder s'il grille pas un feu rouge. Ok, ça va, il a pas grillé de feu rouge. Ah, il a failli percuter une femme sur un passage piéton. Donc là, je l'aurais pas loupé, hein. Ça aurait très certainement fini en refus d'obtempérer. Mais bon, c'est pas grave. Allez, ce qu'on fait, c'est qu'on patrouille tranquillement. Ça peut être une nuit à la fois très calme avec très peu d'intervention ou une nuit très mouvementée. Et rassurez-moi les gars, on a plus de chances de passer la nuit à courir partout et derrière plein de gangsters que de se reposer dans le véhicule dans un coin. Allez, ce qu'on fait, c'est qu'on patrouille et on se retrouve immédiatement. C'est parti, on prend l'intervention, nous partons pour une nuisance sonore. Donc c'est parti, 500 mètres. On va aller voir ça. Là, il est 21h quasiment. Les jours se sont rallongés, hein. La nuit tombe de plus en plus tard. J'ai vu qu'il n'était pas casqué, lui. Allons voir ça. 200 mètres avant d'arriver sur la zone de l'intervention. Je coupe mes gyros pour ne pas que les gens puissent se douter que nous allons arriver. Est-ce que j'ai des précisions? Rien du tout. Ok. Allez, je vais me garer ici. On va aller voir ça.
Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Oh, il a une tête bizarre, lui. On va sonner. Allez. Bonjour, madame. C'est la police nationale. On nous a appelé pour une nuisance sonore qui venait de votre maison. Il doit y avoir erreur. Rien ne se passe ici. Peut-être la mauvaise adresse. Ok. Bon, madame, est-ce qu'on peut venir rentrer chez vous, faire un petit tour quand même, si vous nous le permettez? D'accord, est-ce qu'on peut venir s'il vous plaît à l'intérieur? Vous n'avez pas besoin d'un mandat pour ça? Oh, yeah, sure. Si jamais il y a quelque chose de criminel ou de suspect, je peux rentrer sans mandat, ma petite dame. Est-ce que vous avez quelque chose à cacher? Non, non, venez. Bon, on va aller voir, on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Hop. Bonjour, madame. Alors, du coup, on va regarder, on va checker un petit peu votre demeure. Hein. Hello. On va regarder un petit tour. Hein. Oui, pas de souci. Ok, très bien. Ok, les gars, moi, je m'attends au pire. Hein. Voilà, c'est... C'est ça. Je me méfie quand même d'elle. Hein. Je me méfie d'elle. Bon, y a rien dans cette maison. C'est quoi ici? C'est la chambre? Oh, oh, oh les gars, le mari. Le mari est au sol, le mari est au sol. Je vais regarder vite fait là. Je sais pas si elle se doute qu'on l'a trouvé. Ok. Roger, attention all units. Assistance needed. An assault with a deadly weapon. Units respond code 3. Lâchez votre arme! Lâchez votre arme, lâchez votre arme, mettez-vous au sol. Coopérez tout de suite, madame, là. Ok, j'ai ramassé son fusil à pompe. Je pense qu'elle a tenté de nous attaquer. Ok. Ne faites aucun geste brusque. Je la menote moi-même. Les gars, c'est impeccable. Ouais, je m'attendais à tout sauf à ça, là. Je pensais pas que elle allait avoir poignardé son mari. Enfin, là, je pense que c'est plus avec une arme. La personne est prise en charge, c'est bon. Les sapeurs-pompiers sont prévenus. Ils devraient arriver le plus vite possible sur la zone. Il est où le camarade là? Mon collègue, j'ai aucune idée d'où il est. Vous allez venir avec nous, vous? Et je pense que vous allez passer un certain nombre de temps derrière les barreaux, ma petite dame. Allez, on ressort du pav. Ok, les renforts se présentent. Oh là, oh là, oh là, oh là. Très bien, il y a toutes les patrouilles qui se présentent. La femme est évacuée par une autre patrouille, regardez. Elle est là-bas, ils la prennent en charge. Il y a la police municipale qui est sur place, la police nationale. Je vais mettre un petit peu de lumière là. Oh, pardon, excusez-moi camarade. Hein. Bank silence alarm. Ok, bon bah c'est parti, on part sur l'alarme d'une banque qui se serait déclenchée. On va aller voir ce qui se passe. Là, c'est un petit peu plus grave. Chose que je vais faire, c'est aussi charger mes hers. Parce que je m'attends au pire, du coup. Pap. Spike strap 5. Impeccable. Enfin, chargez pas les hers, mais mes stop sticks, les mettre à disposition. 800 mètres. Les gars, il est 22-23 heures, là. L'alarme d'une banque s'est mise à sonner. Ça ne peut être qu'un braquage ou une fausse alerte, hein. J'espère quand même que c'est une fausse alerte. Ok, 400 mètres. Je coupe mes gyros à partir de maintenant. Pour éviter que les personnes, s'il y en a à l'intérieur, ne se doutent de quoi que ce soit et de notre arrivée. La banque est ici. Oh là. Je viens de taper un véhicule, ce n'est pas grave. Ok. Je vais m'approcher de la banque tout doucement. Il y a un véhicule garé là-bas déjà. Oh, il y a quelqu'un au sol, il y a quelqu'un au sol. Ok, tout de suite, en urgence, je demande une patrouille supplémentaire ainsi qu'un équipage back. Tout de suite, je stoppe le trafic également. Je vais mettre un peu de lumière sur la zone. Ok. Ok, je sais pas s'il y a des individus armés à l'intérieur. Là, il y a leur véhicule. Je vais mettre des hers devant. Enfin, des stop sticks, du coup. I
Pourquoi je peux... Pourquoi il marche pas mes stop sticks, les gars? Ok, c'est bon. J'en ai mis un. On va pouvoir s'avancer au niveau du bâtiment. La BAC se présente, la BAC se présente. Pourquoi est-ce qu'il me les a retirés? Ah oui, parce que j'en avais mis trop. Ok, j'en mets un. Devant le véhicule. Ok. Allez, ce que l'on fait, c'est que là, la zone est barricadée. Il y a les équipages BAC qui sont prêts. Le véhicule, lui, également est prêt. Il y a le stop stick qui est juste devant. Est-ce que je peux en mettre un derrière aussi? Yeah, je peux en mettre un derrière. Ok, très bien. J'en ai mis un derrière. J'en mets un autre ici. Comme ça, il pourra pas s'enfuir. Ok, il y a la BAC. Il y a la police secours. On est pas mal sur place. On va pouvoir aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui a les mains en l'air. Il y a un policier de la BAC. Oh là, ça tire. Il y en a un qui a été neutralisé déjà. Il y en a un qui est neutralisé. Il y a quelqu'un qui est menotté. Ok. Le coffre est ouvert. Le coffre est ouvert. Il y en a un qui part en courant derrière. Il y en a un qui part en courant à l'arrière. Ils prennent la fuite. Il y en a un qui a pris la fuite là. Allez, faut qu'on se le chope tout de suite. C'est pas mon véhicule celui-là. C'est pas mon véhicule, mais c'est pas grave. Il a pris où là? Il a pris ici. Elle est là-bas, elle est là-bas. Arrêtez-vous là. Ok. Ok, je prends mon LBD. Arrêtez-vous! Ok, mettez-vous au sol là. Mettez-vous au sol, coopérez. Allez. Ok. C'est neutralisé. Il y a les sapeurs-pompiers qui vont venir. Ce qu'on fait, c'est qu'on se rapproche de la banque, là, tous les équipages. Hop, le véhicule des collègues, lui, je vais revenir avec en même temps. Regardez, les gars, franchement, l'intervention s'est super bien déroulée. Je suis super content. Hop. Regardez, il y a mes stop-sticks là-bas qui auraient été super efficaces s'ils avaient servi, mais... malheureusement, ils n'ont pas été utiles. Hop. Les collègues, eux, reviennent. Pour les gens de la banque, tous les otages ont été évacués. Là, il y a une femme qui est au sol derrière. Faut que je demande les sapeurs-pompiers ici aussi. C'est vrai, j'avais pas pensé. Ambulance, assistance required in Rockford Hill. Madame, bougez pas là. Les pompiers vont arriver. Elle. Hop. Police transport. À tous les équipages, ils vont se remettre disponibles. Tu me l'emmènes s'il te plaît. Si ça ne te pose pas de soucis, ça ne va pas t'en poser. Hop, mes stop sticks ont été retirés. La BAC va reprendre son véhicule et sa patrouille. Eh ben franchement les gars, on n'est pas trop mal hein. On n'est pas trop mal. Regardez, les SP se présentent. Les SP se présentent. Nous, nous sommes sur intervention, j'attends mon collègue. Donc, beau petit braquage de banque, hein, beau petit braquage de banque. Ah, le collègue, il est là-bas, il est avec les sapeurs-pompiers de l'autre côté. Ok. Bon, bah, je vais aller le récupérer. Je laisse les SP travailler. Le temps qu'ils prennent en charge les personnes. On va sécuriser l'intervention, histoire qu'il n'ait pas de complices des braqueurs qui reviennent et qui tentent de les libérer ou de continuer et finir ce qu'ils avaient commencé. On va rester sur place. Pour les sapeurs-pompiers, l'intervention touche à sa fin. Je vais aller récupérer mon collègue qui est ici. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il fait le collègue là? Que se passe-t-il? Oh, il y a pas mal de véhicules de police là qui passent dans le coin. Hop, coroner unit. Assistance required.
Allez camarade, tu vas remonter avec nous. On va continuer la patrouille. Attention all units. Citizens reporting suspects are on foot an assault in Del Perro Beach. Ok, okay, c'est bien pris, on prend l'intervention, on part pour une rixe sans précision de personnes qui seraient à pied sur Vespucci Canal, Vespucci Beach pardon. On va aller voir ça. Ok, ça se bat, ça se bat effectivement. Ok, il y a bien une bagarre en cours. Ça prend la fuite, ça prend la fuite. Vas-y, on y va, on y va. Prends-en. Non, 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 non. Tire pas, ça sert à rien de tirer. Il faut que j'en chope un là. Ok, j'ai demandé un équipage supplémentaire. Arrêtez-vous là, arrêtez-vous là. On est au petit matin en plus. La bagarre a éclaté. Arrêtez-vous là, ça sert à rien de courir. Dans tous les cas, on va vous choper. Je vais tirer au LBD, les gars. J'aurais pas le choix que de tirer avec mon LBD. Faut que j'arrive à l'avoir. Ok, je l'ai eu au LBD, je l'ai eu au LBD. Il repart en courant, il repart en courant. Il y a les collègues qui se présentent, les collègues en renfort se présentent. Il y a l'équipage back juste en face, l'équipage back est juste en face. Arrêtez-vous! Il allait voler le véhicule de la back. Allez, relevez-vous là. Mettez-vous au sol là. Mettez-vous au sol tout de suite là. Mettez-vous au sol. Ok. Les deux ont été interpellés. Les deux ont été interpellés. Parfait ça, parfait. Il y a tous les équipages qui sont sur place. Eh bien wesh les gars. Nickel. Tu me fais une palpation de sécurité s'il te plaît sur, sur celui-là. Je vais aller voir là-bas. Super coopération entre les services qui s'est déroulée à merveille et qui a mené à l'interpellation des deux protagonistes. Donc ça franchement c'est une belle réussite. Hein. Oh, il y avait quelque chose pour consommer du sup là-bas. Elle, elle a un appareil photo de valeur. D'accord, donc est-ce qu'ils se battaient pour suite à une tentative de vol ou est-ce qu'ils se battaient pour autre chose? Je n'en sais rien, les deux ont pris la fuite. Hein, donc on va les emmener tous les deux au commissariat pour démêler le vrai du faux et surtout prendre la version des deux. Allez, licence valide à ne pas rechercher. Et ce monsieur, en même temps avec ce qu'il a couru, tu m'étonnes qu'il respire pas très bien. Monsieur pareil. Allez, police transport. Tu me l'emmènes? Hop. On est engagé sur une nouvelle intervention. Self isolation violation. Ok. Ok, bon bah c'est parti, on retourne dans le véhicule nous et on prend l'intervention. Ce serait juste à côté, on récupère une personne, enfin on va rechercher une personne qui est censée être isolée mais qui ne respecte pas son isolement. Ah, on continue à deux du coup. Ok, d'accord, bah si tu viens avec nous, tant mieux, hein, vaut mieux être plus. Dans cette zone là. Alors. Un homme avec un pantalon foncé. Bah un homme avec un pantalon, il y en a qu'un, il est là-bas déjà. Alors, ok. Il y en a un de chaque côté. Pour moi c'est lui. Bon bah s'il se met à traverser, on va l'attendre de l'autre côté du passage piéton. On y va les gars, on descend, on reste vigilant. Hop. Bonjour monsieur Dimitri. C'est lui. Très bien, monsieur bonjour. C'est vous Dimitri? Oui c'est bien moi. Hop hop hop. Restez avec nous monsieur. Ok, on va regarder les options qu'on a. Soit on l'arrête, soit on lui met une amende. Bon. Bon. En gros, on a deux choix. C'est un monsieur qui doit être isolé. Pour quelle raison?
Soit c'est parce qu'il a une suite à un jugement, il doit être isolé chez lui, soit pour autre chose. Nous, on part du principe que c'est ça. Donc c'est soit on l'interpelle et on le verbalise, soit on le verbalise et on le ramène chez lui. Donc c'est quoi le mieux? Je sais pas trop. Moi, je vais l'interpeller. Pour non-respect de son isolement, je l'interpelle et il passera devant un tribunal. Hein? Tu me le menottes, parfait. On va regarder ce qu'il a sur lui. Parce que s'il est condamné pour stup et qu'il en a sur lui, ça va pas arranger son cas. Tu me fais une palpation de sécurité. Hop. Ok, d'accord. C'est pour le Covid qu'il est... Ok. Du coup, qu'est-ce qu'il a sur lui? Je vais regarder vite fait. D'accord, donc ce monsieur a le Covid-19 et il est isolé pour ça. Donc on me conseille d'appeler une patrouille pour l'évacuer. Je vais juste faire un contrôle FPR. Hop, police transport. C'est nickel. Et puis pour nous, les amis, comme vous l'avez vu, il fait jour. Hein, la nuit s'est déroulée avec une intervention très intéressante. Un beau petit braquage de banque. Hein. J'espère que vous avez kiffé car moi, j'en avais fait deux déjà. Et deux, j'étais décédé. Je n'avais pas eu la chance d'aller jusqu'au bout de cette intervention. Donc franchement, une première. C'était bien kiffant. On a mis un beau dispositif pour pallier à la fuite des individus. Ils ont quand même réussi à prendre la fuite, mais la réponse immédiate et rapide des services de police a fait que nous les avons quand même interpellés. Eh bah, eh, c'est que ça bouge ce matin. Ils vont où, eux? Et puis pour nous, ça va être fin de patrouille. On se remet indisponible, car c'est la fin. Et puis nous allons en direction du commissariat derrière la belle petite Skoda... Police nationale disponible sur Urgence Boîte. C'était Drixis, prenez soin de vous. Prenez soin de vous surtout et protégez-vous par rapport au Covid-19. Hein, ce n'est pas fini. Et ciao, bye bye. Oh, pardon les mecs.